Le mailing, qu'est-ce que c'est ? Le mailing représente un courrier incluant une ou des offres commerciales adressées par voie postale à une cible définie. Aussi appelé publipostage, ce courrier invite les destinataires, qu'ils soient prospects ou clients, à réagir à une sollicitation par le biais d'un call to action. Quelle est la différence entre mailing et emailing ? Avec le développement d'Internet, le publipostage est devenu un outil de marketing direct visant à envoyer une offre commerciale électronique par voie digitale. On parle alors d'emailing. Le mailing consiste donc en l'envoi de courriers promotionnels en masse, physique ou électronique. L'emailing représente plus spécifiquement l'envoi de courriers promotionnels électroniques, c'est-à-dire des emails. Quelle est la différence avec les ISA ? À la différence du publipostage, les ISA pour imprimer sans adresse sont des offres promotionnelles distribuées aléatoirement dans des boîtes aux lettres anonymes. Les publipostages se composent quant à eux d'enveloppes nominatives et, dans la majorité des cas, d'un courrier personnalisé. Qu'est-ce qu'un call to action ou CTA ? Un mailing invite son destinataire à répondre à une offre par le biais d'un call to action. Un call to action, CTA, qui se traduit en français par bouton d'initiation à l'action, est un message incitant une personne à réaliser une action préalablement définie. À quoi sert le mailing de prospection ? Qu'il soit digital ou sur format papier, la prospection s'invite dans les boîtes de réception et boîtes aux lettres de manière régulière et peuvent avoir différentes finalités. L'objectif peut être de générer du trafic dans un point de vente, de récolter des dons, de fidéliser la clientèle ou encore d'inciter l'utilisateur à utiliser le service que propose une marque.